Coucou tout le monde, on se retrouve dans mon nouveau décor préféré pour filmer des vidéos, c'est mon bureau, voilà, mon cabinet. Je vous fais une petite vidéo sur le massage réflexologique facial pour vous aider à bien dormir et à passer une douce nuit. Voilà. Alors, vous allez le faire avec les deux mains. Pour le besoin de la vidéo, je peux tenir ma caméra que d'une main et utiliser mon autre main. Donc, tout ce que je vous montre avec une main, vous le faites avec les deux. Quand il faudra, j'essaierai de me déplacer pour poser le téléphone et vous montrer des deux mains. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, moi, je le fais après m'être démaquillée. J'utilise une huile pour finir le démaquillage, une huile végétale. Et donc, j'utilise à ce moment-là. Je trouve ça très agréable avec l'huile, juste avant de coucher, etc. Vous pouvez le faire avec ou sans huile, juste avant de vous coucher ou quelques instants avant, c'est vous qui voyez. Il est conseillé de faire normalement 36 rotations sur chaque zone que je vais vous montrer. Moi, je pars du principe que personne ne peut mieux nous connaître que nous-mêmes et qu'on sait quand on est bien. Donc moi, je vous conseille en fait de le faire comme vous le sentez et d'arrêter une fois que vous vous sentez détendu. Voilà, parce que c'est pas la peine en fait de faire 36 fois. On va prendre aucun plaisir, on va compter, on va pas se concentrer sur ce qu'on fait, on va pas se détendre. Donc je ne dormirai pas bien après. Donc le plus simple, c'est de le faire. Et à force de le pratiquer, ça va venir, on saura quand est-ce qu'on est bien, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, le temps qu'il faut durer, qui est propre à chacun. Et vous allez prendre du plaisir à le faire. Donc on va commencer. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, pardon. Moi je commence par je mets un peu d'huile dans mes mains et ensuite je les frictionne pour avoir les mains bien chaudes et un maximum d'énergie dans les mains. Ensuite je viens ici, dans le petit creux. Stimuler le point zéro. Donc des deux côtés en même temps. Voilà. Il suffit d'appuyer légèrement, on n'appuie pas comme un bourreau. On pose le doigt, on appuie légèrement et on tournicote. On tournicote, on tournicote, comme dire ma grand-mère. Voilà, donc on va tourner. Voilà. Des deux côtés en même temps, jusqu'à ce qu'on se sente apaisé. Ensuite, on va venir, ah, très pratique avec cette coiffure, au milieu du front. En plus, je brille, c'est une horreur. Ici. Voilà, on va faire la même chose. Puis on va descendre ici. Ensuite, on va faire ici, ici et ici. Et ici. Je vérifie que j'ai rien oublié. Il ne semble pas. Voilà. Donc ça, ce sont les points principaux. Alors, ce sont les points réflexes. Donc, on répète. Ici, des deux côtés. Ici. Ici. Creux. Ici. Ici, ici, ici. Ici et ici. On va masser en tournant doucement. Moi. Pour que ce soit plus agréable, parce que ça fait partie de notre protocole de détente et de gestion du stress, j'ajoute le massage des tempes pour venir relâcher la pression, le massage des sourcils, les arcades, l'étirement ici, donc vous mettez de chaque côté. Attendez, je vais essayer de poser le téléphone ici. Voilà. La hauteur du front, les yeux, l'intérieur, les paupières, le dessous des yeux, voilà, et j'aime bien finir comme ça, avec ici le lobe des oreilles. Et ça, c'est un massage qui, fait tous les soirs, peut vraiment vous aider à mieux dormir et à aller au lit tout détendu. Quelque chose aussi de très simple qui peut vous aider à bien dormir, c'est la pensée positive. Vous allez me dire, n'importe quoi. Eh ben non, c'est pas n'importe quoi, ça marche très bien et c'est tout simple. Je veux que quand vous alliez vous coucher, vous faites le test sur une semaine. Vous allez vous coucher et vous pensez à quelque chose de positif.
dans votre journée, dans votre vie, je sais pas. Le mieux c'est de trouver trois choses positives, mais essayez de m'en trouver au moins une. Je sais pas, moi j'ai vu tel ami, j'ai vu ma soeur, j'ai vu ma mère. Chouette, j'ai mangé des gâteaux, je suis allée au cinéma, je me suis acheté un nouveau jean, j'en sais rien, ce que vous voulez. Vous me trouvez un élément positif. Chaque soir avant d'aller vous coucher, vous verrez, vous allez passer une meilleure nuit. Et dernier conseil qui n'a rien à voir avec le massage facial, vous mettez vos téléphones en mode avion. On arrête le wifi à côté de sa tête. Sinon, on ne peut pas dormir. Et voilà. Donc, automassage, pas de wifi, une pensée positive et une bonne nuit. Voilà. Et ben, je serais ravie de voir ce que vous pensez de la vidéo. Donc, petit commentaire sur YouTube ou petit like.